En ce qui concerne le cheval, il faut que le cheval soit calme, qu'il soit dans une attitude, c'est-à-dire l'encolure dans le prolongement du dos avec la nuque le point le plus haut. Il faut qu'il soit régulier dans son allure. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il faut qu'il soit en équilibre, c'est-à-dire qu'il soit entre la jambe et la main, la main et la jambe, hein, qu'il ne pèse pas la main, mais qu'il tente toujours ses rênes. Il faut que le cheval soit droit, c'est-à-dire qu'il ait deux épaules devant les hanches, ça c'est important, et en principe, il faut que le cheval soit fixe. Alors ce qui est le plus dur, c'est que lorsque le cheval n'est pas fixe, c'est souvent des problèmes de poids, de force de dos des chevaux, hein, ou des problèmes de mauvaise position qu'un cavalier peut avoir lorsque le cheval n'est pas fixe. Mon cheval a des petites instabilités parce qu'il a déjà travaillé ce matin, et par un peu fort, et il se trouve dans une situation un petit peu inconfortable maintenant.